Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis web entrepreneur, accompagnateur pour oser vivre sa vie. Et tu auras plus d'infos dans la description de cette vidéo. Pour ça, il suffit juste de cliquer. Il y a le site internet, tu cliques, tu vas découvrir tout un tas de trucs. Voilà, c'est pour toi. Bienvenue à toi. Avant de commencer cette vidéo, comme d'hab, je t'invite à la partager un maximum et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci, merci, merci pour votre présence. Voilà, pour ces partages, ces abonnements, ces commentaires et ces likes. Yes, merci beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'être ouvert aux changements et aux opportunités. Ouvert aux changements et aux opportunités. La vie est changement. C'est un mouvement permanent. Donc en permanence, des choses se présentent à nous. D'accord? Des choses, des fois, qui nous donnent de la joie, qui nous font nous sentir bien, mais aussi parfois des choses qui nous bousculent, qui nous secouent, qui nous remuent à l'intérieur, qui nous bouleversent même parfois. Être attentif à tout ça, d'accord? Permettre d'identifier aussi des choses peut permettre, ok? On le fait si on le veut, bien sûr, mais peut permettre d'identifier des choses qu'on a en soi qui bloquent, des choses vers lesquelles on n'ose pas trop aller, des portes qu'on n'ose pas trop ouvrir, par peur, tout simplement, bien souvent, peur de souffrir, en général. Et pousser ces portes ouvre sur une nouvelle dimension, sur une partie de nous que nous ignorons peut-être, bien souvent en tout cas, et qui en prenant conscience de celle-ci, finalement, peut nous amener de nouvelles opportunités, de nouvelles armes, de nouveaux outils, de nouvelles ressources, pour justement nous permettre de mieux oser vivre notre vie. Être ouvert aux changements et aux opportunités, pour moi, ça se traduit comme ça. Il y a cette phrase que j'aime bien de Mathias Cassel, je ne sais pas si tu connais, c'est le frère de Vincent Cassel, l'acteur. Il dit « Le futur dépend de nos actions présentes. Le futur dépend de nos actions présentes. » Si je m'ouvre à moi-même, mon futur n'en sera que plus ouvert. Je m'ouvre au champ des possibles. Si je me ferme à moi-même, mon futur se réduit à quelque chose peut-être d'inconfortable ou peut-être que je connais déjà. Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre quelque chose que je connais déjà? Peut-être, si ça te satisfait. Peut-être pas, si ça ne te satisfait pas. Donc à quoi veux-tu t'ouvrir? Il y a un film super que je voudrais te recommander, qui s'appelle Yes Man. Je ne sais pas si tu connais, dis-le moi dans les commentaires aussi. Avec Jim Carrey, c'est un film, moi j'adore, je le recommande assez régulièrement, j'avoue, il est vraiment extra. Je t'invite à regarder ce film, voilà, il est sur le pouvoir de dire oui à la vie, d'oser justement comme ça s'ouvrir aux changements et aux opportunités. Voilà, c'est une belle leçon de vie ce film, je trouve, en tout cas. Donc dis-moi dans les commentaires si tu connais ce film, je t'invite à le voir, à le revoir, bien sûr. J'ai fait le tour pour aujourd'hui. C'était une courte vidéo, mais j'espère qu'il t'aura apporté plus de lumière, en tout cas peut-être plus de réflexion, je ne sais pas. Dis-moi tout ça aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets dans les commentaires. Je prendrai un grand plaisir à y répondre, comme c'est le cas à chaque fois. Voilà. Je t'invite comme d'hab à liker, commenter, partager cette vidéo. Commenter, je sais, je me répète, mais j'aime vraiment bien lire tes commentaires, donc c'est super top. Partager à max, bah oui, parce que plus il y a de personnes qui regardent ces vidéos et plus je peux aider de gens. Voilà, moi c'est pour ça que je fais ça, pour donner, voilà, et aider. Voilà, c'est mon lot à moi. Je suis peut-être celui qui va amener une nouvelle opportunité, s'ouvrir, aider quelqu'un à s'ouvrir au changement, justement. Voilà. Et puis, bah, ose vivre ta vie. Quoi te dire de plus? Prends soin de toi pour de vrai. Ciao.